La SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, dispose d'un certain nombre de structures destinées au traitement de l'eau. C'est le cas de l'usine d'Untoum. La présentation nous est faite ici par Dinga. L'usine de production d'eau potable d'Untoum est située dans l'ex-carrière de la société SIM Gabon. Cette usine permet de produire 16 000 m3 d'eau supplémentaire pour porter la capacité de production à 230 000 m3 jour, soit 100 000 habitants en surplus à ravitailler. La carrière existe depuis 1984. Il s'agit de la station d'Exor d'eau brute. Ici, on a une station de type ponton flottant hydromobile qui refoule l'eau brute de la carrière SIM Gabon vers la station de traitement. Alors donc cette station a une capacité de 770 m3 et elle fonctionne avec trois pompes immergées, deux pompes en service et une en secours. Elle refoule donc à travers une canalisation DN400 acier qui est raccordée sur le ponton à travers un flexible de type hydroflex. Il n'y a pas de risque de pollution parce que l'eau est prélevée à travers une carrière qui est en fait une source de résurgence d'eau naturelle qui vient de la faille de la roche. L'exploitation des sources d'eau brute se fait à partir du lac en saison des pluies, des sources du lac et du forage 6 en saison sèche, si le niveau d'eau est trop bas. L'eau brute arrive sur cette canalisation et est repartie à travers les 5 fils de traitement. Vous allez voir, il y a 5 ouvrages, ça s'appelle décanteur. Donc l'eau traverse ces décanteurs et subit un traitement classique que nous connaissons. Nous ici, c'est la coagulation, flocculation, décantation et filtration. L'eau est ensuite acheminée à l'usine de Toum 6 pour y subir un traitement approprié.